Bonjour tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Guts and Glory, qui est un jeu d'action dans lequel vous allez tenter de réaliser des challenges de plus en plus compliqués. Les challenges sont vraiment dangereux, parfois mortels, donc le but est bien entendu d'arriver au bout sans mourir. Le jeu est en pleine campagne Kickstarter, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder dans la description, il y a toutes les infos. Sachez que les développeurs ont mis à votre disposition une version du jeu gratuite, hein, donc l'alpha 0.3.3 qui est la dernière disponible. Je vous conseille vraiment vraiment de la télécharger maintenant, même si vous ne voulez pas y jouer tout de suite, parce que la campagne Kickstarter risque de rater au vu de son état actuel. Et très souvent, les développeurs retirent les liens de téléchargement à la fin. Donc, téléchargez le jeu, testez-le maintenant ou plus tard, mais mettez-le de côté. Il est même possible que si le Kickstarter rate, les développeurs ne puissent pas continuer le développement. Donc, ça sera peut-être la dernière qui va être à votre disponibilité, même dans le futur. Alors, donc là, le jeu, pour le moment, est jouable uniquement en solo avec les cartes qui ont été faites par le développeur. Il y a différents personnages que l'on va pouvoir contrôler, chacun avec son véhicule. Donc, par exemple, le gars là a un vélo, il y a un gars qui a une voiture, etc. Vous allez éventuellement pouvoir créer vos maps. Ce n'est pas encore possible pour le moment. Donc, on est parti. Alors, donc voici les stages 2 disponibles. On commence par un tutoriel qui est pas terrible pour le moment. Vous avez, je dirais, alors je les ai pas comptés, mais je pense une vingtaine de maps. Elles sont assez courtes, vous allez les réussir toutes en quelques minutes. Ce qui vous fait, je dirais, un petit peu moins d'une heure, une heure et demie de gameplay. Alors, je les ai pas toutes faites encore, hein, donc je peux pas vous confirmer quelle va être la longueur des dernières. Mais bon, c'est une alpha, elle est gratuite, donc on peut pas trop se plaindre pour le moment en tout cas. Alors, on va commencer, bah tiens, on va commencer par celle-ci, on va avancer petit à petit. Je vous conseille de jouer à la manette, la raison que la manette est plus... Enfin, le jeu est plus maniable à la manette qu'au clavier. Et il y a un petit peu moins de bugs de contrôle de ce que j'ai pu voir. Alors, donc là, vous avez deux personnages disponibles, chacun avec son véhicule, éventuellement il y en aura d'autres. On va y aller avec le vélo, et là regardez, alors là on est en haut, donc là on se fait attaquer par des tourelles, vous voyez, des crossbows qui nous balancent des fléchettes, des flèches, et vous avez en bas des mines qu'il va falloir éviter, et vous allez avoir des gars qui vont balancer des... Ok, des boules qui vont éventuellement... Alors je vous préviens tout de suite, avant que ça devienne plus sanglant, le jeu est vraiment vraiment sanglant. Vous voyez là, j'ai perdu une jambe, vos gars vont se faire décapiter, couper en morceaux, que ce soit vous ou le gamin, il n'y a aucune pitié. Voilà, donc est-ce qu'on peut voir, vous voyez là, on voit les tourelles au loin, est-ce qu'on peut en voir une autre là-bas? Ouais, on en voit, vous voyez d'autres qui nous balancent, ok, on est reparti. Et bien sûr, on y va direct, hop. Oh purée, oh purée, oh purée. Ah, ok, alors regardez ça. Donc la partie qu'il considère comme étant moi et ce petit morceau. Oula, c'est quoi ça? Ok, il y a un autre morceau, vous voyez, qui flotte, qui tombe. Ok, bon, on est reparti. Cette fois-ci, je vais essayer de passer. Oula, attention. J'ai cabré. On est beau. J'essaie de zigzaguer pour pas me prendre trop de flèches. Ouh, ok, j'ai pris une boule. Là, il y a d'autres tourelles. Oh là là! Non, j'ai pas pu tourner! Zut! Et bah tiens, là, cette fois-ci, je me suis pris ça. La dernière fois, j'étais planté là avec le gamin. Moi, le gamin, on était planté. Bah, on est reparti. Oup, oup. Ok, ça, c'était pas vraiment prévu. Oup là! Voilà, j'ai failli toucher la mine. Là, je suis... Bah. Ok, l'explosion a dû m'avoir... Ah, ok, je me suis fait one headshot. Ok, vous voyez, j'ai une flèche dans la tête. On est reparti. Donc c'est un jeu où il faut pas avoir peur de recommencer, c'est justement un jeu qui est fait pour, hein. On s'amuse avec la physique. Ok. On y va. Désolé gamin, je m'abandonne. Ok, c'est bon. Alors là, je vais accélérer pour éviter les flèches. Ok, on est à 32 km/h, 35. Ouh, attention, il y a des mines. Ok. Ok. Oup là, hop, c'est bon. Il y a toujours qui continue à balancer. Et là j'arrive, je suis arrivé à 37,89 et mon record était 39,52, donc j'ai battu mon record. Bah génial. Et ben on va continuer. Alors on va changer de piste. Alors on est revenu à la sélection. On va essayer Whiplash. Ça me dit rien. On va y aller toujours avec notre vélo, puis éventuellement je vais prendre l'autre véhicule. John et Jimmy, ok. Hop, oula, je crois qu'il y a les scies. Oui, il y a les scies sur le sol. Donc il va falloir les éviter. Oups là.
Ok, j'ai raté. J'ai raté. Ouais, là, c'est un petit peu problématique. Alors, vous voyez, les maps sont vertes, hein, très souvent, si vous pouvez. Vous pouvez tenter de monter, et je regarde ce qu'il y a là-haut. Ouh. Est-ce que je vais pouvoir le faire, ça, avec le vélo? On recommence. Ah, ils nous disent quoi? Essaye de faire des barrel rolls dans l'air avec les bumpers. Ok, on va essayer. On est parti. Hop, on évite les scies sur le sol. Alors, les barrel rolls. C'est ça qu'ils veulent que je fasse, on m'a dit donc. C'est déjà compliqué de réussir standard, alors avec ça. Ok. Alors, on est reparti. Hop. Hop. Oula. Ok, on recommence. Hop, non, je veux pas que tu capes comme ça. Le pauvre gamin derrière. Comment il fait maltraiter. Ok. Ouf. Ok, il reste pas grand chose du gamin. Il reste pas du tout grand chose du gamin. Bon, on est reparti. Alors, non, cabre pas. Pourquoi il cabre? Ah, c'est. Il faut essayer. Ouh, ça, c'est bon. Oh! Est-ce que je sais pas assez de vitesse avec le vélo? On va retenter une dernière fois. Ah. Hop. Ok. On est bon. Ok. Ouf. Ok, j'ai réussi. J'y pensais pas. Je pensais pas que je pourrais. Ok, et là, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Bon, on va reculer. On va prendre un peu d'élan. Et j'ai toujours le gamin avec moi. Ok. On est parti. Là, ok, c'est pas bon là. Il faut que je me mette bien droit. Si je commence à zigzaguer avant. Go. Allez. Ok, je suis bon. Ah, je pensais pas que j'allais arriver. Attention, il y a un petit crochet au bout. Je vais pas me faire choper par le crochet. Ok, alors j'ai mis combien ça? Une minute pour le réussir, bah dis donc. Ok, bah génial. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors, hop, juste je regarde mon logiciel d'enregistrement, je suis beau. On va revenir là. Alors, pour info, j'ai testé celle-ci, elle est juste affreuse. Je vais vous la montrer rapidement. Et on va passer à la suite, celle-ci, je l'aime pas du tout. Alors, on a que le vélo. Donc, on est parti. Donc là, il faut aller doucement. La raison est que, vous allez voir, hop, faut pas aller trop vite, sinon on va tomber dans le vide. Voilà, on passe là. Boum. Voilà. Attention, il y a une mine là. Hop. Là, ici, il y a des scies. Là, je passe. Hop, là, j'ai réussi. Oh, j'aurais pas cru, là, j'ai réussi. Là, c'est la première fois que je réussis. Et là, j'ai raté. C'est un truc de dingue. Regardons ce qu'il y a en haut. Je vais monter un peu. Je peux voir. Non, je peux pas le voir. On va tourner. Il faut que je grimpe sur ça après avoir pris le boost de vitesse et que j'aille en haut. Enfin, c'est un truc de dingue. Vous voyez, celle-ci, je vais pas la faire. On va plutôt passer à la suivante. Là, je sens que je vais y passer trop de temps. De dingue. Et on va tenter. Alors, on a fait quoi? Industrial Power Cannons. Ok, avec des canons. Bah, tiens, on va voir. Et là, je vais sortir un nouveau véhicule. Je vais sortir, bah tiens, celui-là. Alors, Willys. Ok. Les Willys. Ok, alors le gars, il a des bouteilles de bière derrière. Oula. Déjà, il y a des canons. Il m'attaque d'où? Wow! Ok, bah apparemment, le véhicule est plus costaud que le vélo. Alors oui, le stage est partiellement destructible, hein, que ça soit avec le vélo ou avec ça, avec les TV. Hop. Ouh, coup de canon. Ok, j'ai sous-estimé le canon. Vite.
Ok. Je peux péter ça, ouais, je peux. On doit se protéger du canon et il y a les... Oh là là! J'ai perdu une roue. Je pensais pas que c'est possible. J'ai perdu une roue du véhicule. Ouh là là. Ok, donc le véhicule est destructible, c'est quelque chose de nouveau. Ah, ok, bah on retente. Finalement, je vais pas péter les caisses. Ouh, ça... Ouh ouais, il y a des choses derrière. Les caisses me protègent des canons. Mais les canons, ok, il y en a un qui est là. C'est beau. Il est où le canon? Et tourne, tourne, ok. Oups. J'espère que le canon va pas me voir. Je me demande ce que ça va donner avec le vélo. Est-ce que je peux le tenter avec le vélo, lui? C'est quoi? C'est le start button. Ok. On n'a pas de bouton pour changer de véhicule d'ici, donc on va le refaire. Hop. On va prendre le vélo. Prêt, oui, on est prêt. On va voir. Ils n'ont pas réagi, là. Ok, là, il y a le canon. Le canon, ça va être dangereux. Ouh, ok. On va là-bas. L'autre est où? Il est là-bas maintenant. Ok, on va tracer. Désolé, gamin, si je te balance dans tous les sens. Oh, oh la vache! Ok, lui, il a fait mal. Ok, bon, bon, on va essayer une nouvelle map. On va en faire quelques-unes, mais tiens, je vais essayer une à la fin pour commencer. Tiens. Pas de safe point. Endroit dangereux. Ok. Alors on n'a pas le choix, on peut pas utiliser la bagnole. Ok, bon, on va aller avec notre vélo. Ok. Ok, on est bon. Ouh. Ok. D'accord. Ah bah j'étais quand même content, hein. Je me suis bien débrouillé pour un premier essai. Enfin j'avais pas mal de bol surtout. Alors on est reparti. Oula, 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 ok. J'ai eu peur que je me fasse. On tourne, on tourne. On tourne. Hop, hop. Non. Ah, je suis pas mort, je crois pas que je suis mort, si. Ah, je suis mort, ok. On retente une dernière fois, et puis on va tester une autre. C'est des choses où il faut vraiment recommencer, hein. Donc je suis désolé si je les réussis pas, mais... Hop. Mais non, là, c'était pas un vrai essai. On retente. Là, ça commence bien, hein. Je suis coincé. Ma roue est coincée. Bon, bah, on va faire un vrai essai, au moins. Hop. Ouh. Ah, je suis toujours vivant. C'est le gamin qui est passé. Ouais. Ok, bah, autre map. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, la dernière. Alors, on va faire la dernière. La dernière qui est faite. Et on va peut-être avoir un autre véhicule, là, je me dis. Non? Ok. Bon, bah, on va faire ça avec ça. Go. Wow. Ok, j'ai cru que je m'étais fait tirer dessus déjà. Là, je vois pas d'objectif. Ah, bon, prends mon véhicule, il va un peu vers la droite. Ouais, bah, je me suis tué moi-même. Ok, trop de... Je suis trop haute. Ok, donc ça c'est peut-être une map ouverte uniquement pour faire joujou. Ou pour le futur, pour préparer le futur. Désolé pour ceux qui installent des vitres. Enfin, ça leur fait du business, je suppose. Est-ce que je vais vers la droite? Non, on va tout droit, ok.
tout droit. La map est grande quand même, c'est cool. Bon, par contre, le contrôle de la caméra est un petit peu trop brusque. On peut bien voir sur les côtés, mais si on veut voir en angle, vous voyez, juste, on peut pas vraiment, vous voyez, contrôler en degré la caméra. C'est 90 degrés ou rien. Et derrière également. Ok. Donc là, on va faire le tour avec notre petite TV. Donc vous voyez, pour le moment, c'est un jeu qui est actuellement vraiment en développement. Ce que l'on voit là, c'est une vraie alpha. Il y a par contre déjà du gameplay, ce qui est cool. Hein. La physique est pas mal gérée. Il y a bien entendu des choses à améliorer, mais les bases sont là. Ça fonctionne très bien. Les tests, hein, donc les différentes maps sont marrantes. J'ai recommencé pas mal certaines maps pour les réussir, ce qui est cool. Hein. Ça veut dire que le jeu arrive à maintenir mon attention. Bon, maintenant, il n'est pas sûr que le jeu arrive à obtenir suffisamment d'argent pour que la campagne Kickstarter soit validée. De ce que j'en ai vu, ils demandent 30 000 dollars, ils en sont à 13 000, et il reste 16 jours. Donc on est à peu près à la moitié, mais il faut savoir que la plus grosse somme versée est en général les premiers jours. Donc là, jusqu'aux 2-3 derniers jours, il ne va pas y avoir beaucoup de d'argent qui va être pledge. Je me suis blessé apparemment. Ah, j'ai perdu ma jambe, ok. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui va être pledge, ça va se rattraper sur les derniers jours, mais au vu de la chose, j'ai pas beaucoup d'espoir pour le jeu. Ce qui est dommage, hein, les développeurs ont de l'idée. J'espère juste qu'ils vont pouvoir quand même continuer à faire le jeu et pour qu'on puisse voir ce que le rendu final donne. Voilà. En attendant, vous avez une alpha gratuite avec du contenu à tester. Si vous êtes curieux, allez-y. Comme vous pouvez voir, le jeu ne demande pas beaucoup de puissance, il n'est pas particulièrement beau. Par contre, attention, hein, je vous ai prévenu, le jeu est vraiment sanglant, et donc si vous êtes un petit peu jeune, c'est peut-être pas forcément pour vous, sauf avec l'autorisation de vos parents. Voilà, merci à vous, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.